Ils sont des milliers d'un côté et presque autant de l'autre. Les opposants au président Moubarak font face à ses partisans jusqu'à ce que la situation dégénère. Jets de pierre, coups de bâton et coups de poing. Aux abords de la place Tahrir au Caire, les affrontements très violents se déroulent pendant plusieurs heures sans que l'armée n'intervienne. Hosni Moubarak est derrière tout ça, il doit partir. Moubarak doit partir. Les Égyptiens nous tuent. Le régime égyptien est en train de nous tuer. L'armée a attendu le milieu d'après-midi ce mercredi pour finalement intervenir avec des tirs de semonce, alors que les affrontements entre les deux camps se déplacent près du musée du Caire. On compte alors déjà des centaines de blessés. Ce mercredi soir, malgré le couvre-feu en vigueur depuis 17 heures, les violences se poursuivent dans la capitale égyptienne. Des cocktails Molotov ont atterri dans la cour du musée du Caire.